Oui, ce que vous avez vu, et non, ce que vous voyez présentement, c'est une... Pas ce que vous voyez présentement, ce que vous avez vu il y a un instant, c'était une vieille photo qui a été refaite et qui a été restaurée. Et c'est ce que nous allons découvrir, une adresse où on peut restaurer vos vieilles photos avec Mireille Soucy. Il y a plein de gens qui s'identifient en studio qui aimeraient bien se faire restaurer, mais c'est seulement pour les photos. Mais avant, Mireille... Ou... enfin, les vieilles photos, c'est ça. Alors, on a tous des vieilles photos chez nous, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père. Et souvent, les vieilles photos, elles sont toutes maganées, elles sont brisées, sont déchirées. La couleur est... Pas la couleur, parce qu'il n'y avait pas de couleur dans ce temps-là, mais le noir ou le blanc n'existe plus, sont partis. Eh bien, l'endroit dont je vous parle peut réparer presque toutes les vieilles photos. Il faut vraiment, vraiment que la vieille photo soit très fatiguée, qu'elle soit très, très, très endommagée pour qu'on soit incapable de faire quoi que ce soit. Alors, la façon de procéder, vous apportez vos vieilles photos, on fait une évaluation. C'est pour ça que je ne vous parlerai pas de coût aujourd'hui parce que ce serait... On peut même pas avoir une petite idée. Bah, écoutez, disons que c'est entre 8 et 50 $. Ah bon? Hein? Pour vous donner vraiment une petite idée, là, parce que ça dépend si vous en faites faire une, ou deux, ou quatre, ou douze, parce qu'on peut les reproduire à plusieurs exemplaires aussi. C'est ça qui est intéressant. Quelqu'un qui décide qu'il veut faire cadeau à quelqu'un de la famille, de toute l'album. C'est pas la photo que vous apportez qui est arrangée, si vous me permettez l'expression, c'est une autre photo qui ça. Est... Alors, ce qu'on fait, on prend votre vieille photo, et pour ne pas l'endommager, on fait un négatif à partir de cette vieille photo-là. Alors, à partir du négatif, on peut tout faire finalement. On peut faire l'agrandissement qu'on veut. On peut lui donner la forme qu'on veut, ronde ou carrée ou ce que vous imaginerez. Et on peut la reproduire au nombre d'exemplaires qu'on veut. Si vous en voulez 12, on vous en fait 12. Alors on voit à l'écran comment on peut réparer. Vous voyez, il y a une ancienne photo où c'est écrit original qui était vraiment brisée. Craquée, oui. Oui, elle était presque difficile à voir. Et à côté, on en a fait une photo qui a l'air toute neuve. Puis on vous fait ça sur du papier. C'est votre mon oncle, ça? Non, elle ne connaît pas, lui. Non. Il n'y a pas de moustache dans ma famille. Il n'y a pas de policier dans votre famille. Il n'y a pas de policier. Ben, vous policiez, vous? Non, mais généralement, les policiers ont une moustache. C'est vrai. Et vous ne savez pas. Faites attention à ce que vous dites, ça peut se retourner contre vous. Ah oui. Mais les conducteurs d'autobus aussi ont souvent une moustache, j'ai remarqué ça. Bon. J'imagine que vous ne prenez pas l'autobus souvent. Oui. Pas souvent, mais je pense...